qu'on se le dise au fond des ports. Oui, au fond des ports. On naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Est-ce que tu as une vergitude? Ce n'est pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Le capitaine et les matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. Ce n'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Ce n'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Et sur le vent, ils se tapaient très fort, les copains d'abord. Ce n'étaient pas des anges non plus. L'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais s'ils s'aimaient, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur créneau, leur confidère, les copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le pas, c'est elle qui leur montrait l'honneur, leur montrait l'honneur. Quand il était en détresse, leur balançait des SOS, on aurait dit des ses bras forts, les copains d'abord. Rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait. Cent ans après qu'aucun de ceux, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, viré de bord. Manquait le pain en père peinard sur la grande mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord.